Et salut tout le monde, c'est MrBboy45, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre aventure A Way Out. Et je suis avec Dark, Funeral 972, alias Léo, alias Le Nez, alias Le Zen à l'envers. Ça va ou quoi? Hello my brother. Eh mec, franchement, la partie pêche, c'était un enfer. Non, vraiment les gars, c'était... je suis pas fait pour la pêche, mais je l'avais dit. Et j'ai regardé le replay de la vidéo. Fufu les mecs, c'est une arnaque. Il met son bâton dans un caillou, il y a un poisson qui sort. Je fais les gars, on prend vraiment pour un connard. Non, c'est parce que le poisson se cache souvent sous le caillou. Non mais tout a été truqué, ils étaient sous ton nez, c'est tout. C'est juste moi qui n'ai pas pu les voir parce que bon... Alors qu'il n'était pas sous ton nez. T'as quelques habiletés que je n'ai pas, hein, bien évidemment. Ah donc, bah la nature, hein. Tu me rappelais un petit truc, Fufu. On m'a collé un meurtre sur le dos, hein, oui. Voilà, que je n'ai pas commis. Le célèbre Harvey. Harvey, c'est un petit peu... La pute, hein, comme on l'appelle. Ouais, clairement. Il a collé une balle dans chaque... Dans chaque chèque. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Mais je voulais... Il n'y a que toi où le respect, tu l'as laissé en zon, tu vois. Moi, j'ai encore un peu de respect, alors je sais pas trop. Mais ça s'appelle des chèques, c'est pas ma faute. Après, oui, bon, j'arrête les jeux. C'est des chèques, mais là où t'as été... C'est vrai que l'apérodinatoire sur la tête n'était pas forcément... N'était pas forcément des ça. Après, c'est pratique, sur Paris et tout. Voilà. De quoi? Bah, t'es dans le petit... Dans le petit parc parisien, tu sais, où t'as plein d'herbes où les gens ils bronzent là. T'arrives, ouais. Là, tu poses ton petit coca au calme. Et voilà, tu fais des pompes. Oh là là, il continue. Hein. Il continue. The state police put out a warning today, urging every law-abiding citizen within a 50-mile radius of the prison. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Hey, I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We released the horses. Release the horses? How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know, man. Ok, libérer les chevaux. En plus, j'étais en train. Franchement, je sais pas si t'as entendu, mais j'ai un peu pouffé de rire. Oui, ouais, j'ai entendu. En fait, j'ai vu une vieille, j'allais te dire putain, non, la petite vieille, faut pas lui faire de mal. Et là, je vois un long fusil à pompe, et là, c'est là que j'ai pouffé en fait. Et là, il y a le vieux. Je pense, non, mais c'est des petits vieux, on va pas leur faire de mal. Moi, je pense qu'il faut libérer les chevaux. Franchement, je vais faire ton style à toi. On est d'accord, mais jusqu'ici, on prend tout le temps mon style, hein, parce que. T'as le vertige, t'as des idées vraiment cons. Toi, t'es typique l'américain. On va libérer les chevaux. Là, on est d'accord. Là, pour... là, je crois qu'on est totalement d'accord. Okay. J'adore les chevaux. De toute façon, c'est soit ça, soit on les libère, soit ça finit dans les fins du ce gars. Là, c'est fermé. Hey, over here. Over here. How do you know they got horses in there? T'as un accent, mon personnage, c'est terrible. What else should they have? But still, you sound so sure. I mean, it could also be empty. You hear that? Yeah. I do. Des poneys. Alors attends, je pense qu'il faut chercher un petit peu. Attends, y'a pas une fenêtre ouverte? C'est pas une fenêtre, c'est une fenêtre ouverte là? Là. Ouais, c'est ça. Bon, je la cherchais, je croyais qu'il parlait de celle d'avant. Faudrait tu peux faire un truc ou pas? Non, on peut rien faire. Non, mais de toute façon, gros, là, t'es mal. Là, c'est pas une courte échelle, c'est un escabeau qu'il nous faut. Ils sont malades ou quoi? Ah, c'est bon. Heureusement, il y avait le vieux. Non, mais gros, il a 80 balais, tu vas me dire que le mec il est monté à l'arbre? Bah, sa femme, ils sont en forme, hein. Ouais, non, mais arrête, gros, sa femme, il lui restait 4 jours à vivre, ça se voyait dans sa gueule, abuse pas. Gros, est-ce que t'as déjà vu quelqu'un porter une échelle aussi balèzement possible? Même les pompiers sont là. Non, c'est surtout aussi droit, le mec, il a une maîtrise totale de sa portée d'échelle. Mec, tu l'as trop bien posé. Vas-y, c'est ton histoire. N'importe qui l'aurait fait en diagonale, et toi, tu l'as posé, mais genre trop bien contre le mur. Bah, ouais. Elle est nickel. T'as des petites attaches au bout, c'est trop bien fait. C'est la meilleure échelle du monde, mec. Oh, ça sent pas bon ce plan, hein. Ouais, franchement, on aurait peut-être dû les maîtriser, genre un coup dans la carotide, c'est fini. Hein. Non, mais un cheval, ça fait grave peur en vrai. Hein. Ah, moi j'aime pas les chevaux non plus, hein, donc comme ça. Un cheval, ça te regarde, t'es pas bien. Ah, oh, c'est pas mal. Bah attends, mais les effrayer, mais faut qu'ils courent. Attends, non. Faut qu'ils sortent après. Faut ouvrir la porte. Ouais, mais hey, c'est une bétonnière, gros, t'inquiète pas, hein, on est tranquille. Tu veux que j'aille le faire? Vas-y. Attends, je suis même pas sûr qu'il faille. Enfin, fais-lui un câlin. Non, mais hors de question.
T'as cru que j'étais l'ami des chevaux ou quoi? Le cheval, c'est génial. Mec, c'est trop bien les chevaux. Ah bah oui. Attends. Jack Horseman, c'est ma série préférée. Hein. Toujours rêvé d'un cheval. Courant dans la nature, t'as Spirit. Ok. Là, faut que t'ouvres la porte. C'est dans quoi déjà, Spirit? C'est Disney, Spirit. C'est le cheval, ah. les talons sauvages. Non, parce qu'il y avait... Ok, oh mec, attends, il y a des trucs ici. Qu'est-ce donc? Attends, toi, tu veux foutre le feu et tout Non. Ah non, non, je teste des trucs, mec. Attends, bouge pas. Et vu qu'on est en bas. Putain, la lampe, elle marche up, frère. D'accord, en fait, on. Ok, donc on essaye de trouver un truc. La bétonnière, c'est bon là ou quoi? Attends, je suis en train d'essayer de voir pour ouvrir la porte. Faut que tu m'aides. Ah non, c'est fermé. Faut que je t'aide là? Ouais, non, faut essayer d'ouvrir la porte parce que bah, faut qu'ils s'enfuient en fait. Donc, porte en prio. Mais laquelle porte? Parce qu'il y a deux portes. Celle vas-y, qui mène vers le dehors. On peut pas, c'est fermé. Bah alors, tu m'as dit que j'ai besoin de... Ah, peut-être que c'est fermé de l'extérieur. Ah non, mec. Non, la lumière marche pas. Attends, je vais voir si ça se trouve, si c'est une grange à l'américaine. Tu vois, il y a une espèce de grosse planche de bois à l'extérieur. Donc, je vais essayer de voir si je peux aller dehors. Moi, je sens qu'il va falloir juste tout brûler, hein, je te le dis honnêtement. Non, je peux pas aller avec ça. Tout brûler, mais... Vas-y, hein. Non, faut d'abord ouvrir les portes, ok. Très bien. C'est pas des vrais chevaux américains, franchement, c'est un petit peu déçu. Bah oui, gros, les chevaux américains, ça fait bien longtemps, ils auraient tout brûlé là-dedans, rien à foutre. Attends, là, y a rien à faire. Non, mais je pense que. Essayer de voir si je peux sortir. Non, je peux pas ressortir, donc ça veut dire qu'il fallait bien que je rentre. C'est compliqué cette histoire là, oh les gars. Ah ouais, on aurait dû rentrer là-dedans, ligoter tout le monde, même les chevaux, on s'en bat les couilles. Vas-y, observe en bas, de ton côté, il doit y avoir forcément un truc. Ok, attends, y a une scie sauteuse là. Non, mais t'es con, Fufu. Oui. Non mais Fufu, c'était l'autre porte. Ah c'était l'autre porte. Ah non, t'as juste regardé, je te rappelle. Non, non, mec, là c'est bon, c'est ouvert. Voilà, y'a plus qu'à les faire partir. Ok, d'accord. Non, bah, attends, c'est... là Fufu, là, je suis désolé. Mais je sais pas. Moi ouais, j'aurais... Oh là, vas-y, t'as plus eu le cul, vas-y. Ouais, non, c'est désolé, je voulais lui mettre une main au cul. Il avait un beau cul, je trouve. Il avait un beau petit cul. J'arrive. Une bétonnière, mais comment une bétonnière? Ça fait pas masse-boue une bétonnière? Bah si, on l'a fait tomber. Ah oui, d'accord, oh ouais. Moi je croyais qu'il allait juste la faire tomber, tu vois. Genre bien, on fait du béton. Ah, le fusil a disparu. Torto Banjo! Eh, comment il cavale en vrai? See, I told you. Yeah. Let's just hope these horses keep running. They will. Allez, on est parti. T'en aurais pu libérer les cochons, hein. Changer de vêtements et aller au pick-up. Non, mais mec, laisse les cochons. Attends, on se croirait dans Far Cry 5, là, tu vois. America! Fuck yeah! Là, ils ont une grange 4 fois plus grande que la maison. Putain, mais les States, c'est vraiment des... C'est tout est démesuré. En même temps, chez un cheval, mec, il y aurait pas là-dedans. Je prends. Non, il y a un téléphone, je vais appeler ma femme. Allô, chérie? Je prends. Dis-moi que je peux le garder. Attends, je peux appeler. Ah putain, mais c'est décoratif. Is this Steve? No? Rob? No? Je te mets un petit peu de musique. Putain, ils ont changé de numéro, c'est bâtard. Je te fais la musique du répondeur. Non, par contre, c'est très chiant si tu dois à chaque fois tourner pour écouter de la musique, gros. Ouais, je te jure. Ah non, c'est bon. Ah ouais, ça marche. Fallait juste que tu mettes de l'Energizer. Ah, un chapeau. J'ai toujours voulu avoir un chapeau. Bah mec, vas-y, tu peux te saper comme Jaja. My eyes are starting to look puffy. Allez hop. J'ai des poches sous les yeux. On n'a pas beaucoup dormi en ce moment, monsieur. Je veux le garder. Je veux le garder, chapeau. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Mec, c'est pour se construire. Yeah. C'est bon, je me fringue, mec. Attends, je ferme. Hein. Un petit peu de. Non, c'est privé. Vous n'avez pas le droit. J'ai mis dans des... Vous n'avez pas le droit d'entrer, monsieur. T'es prêt? America. Putain, t'es archi. T'as vu, je suis beau gosse, hein, à toi. Vas-y. Et moi, je ressemble à quoi? Voilà. T'oublies pas un petit chapeau pour le nez. Monsieur, j'aimerais rentrer, s'il vous plaît. J'aimerais rentrer, monsieur. Excusez-moi, monsieur. J'ai besoin de place pour dérouler le braquemar. Tiens, vas-y, je vais fouiller là en attendant. Ok, moi je suis attends, sorti. Attends, pourquoi t'as la carabine, mec? Bon, tu trouves un fusil à pompe sous les fringues. Non, tu déconnes, tu l'as vraiment trouvé sous les fringues? Bah, je sais pas, il est sorti avec. Gros, je ressemble à Rick de Walking Dead là. C'est quoi ça? Mec, c'est tellement. Mais putain, la chatte que t'as, toi. Gros, moi je rentre, je ressors en gitan et toi tu sors, t'es une machine. Eh, hey, regarde, ici t'as une tisseuse, tisse-toi ton fusil à pompe là, regarde, craft, viens crafter ici, là. Craft. Ce serait génial. Ouais. Attends, peux... par contre moi je peux peut-être mettre le chapeau en vrai, non? Y'a un lit d'enfant. J'ai jamais trop porté de chapeau.
Non, tu vas le porter, mais après il va. Attends, je vais finir sur château de cartes. Attends, je crois que je peux le garder, no joke. Ah, cake. Non, c'est bon, je peux pas le garder. Bon, c'est les pires miroirs du monde. Hein. Vas-y, ouais. Viens. On va y aller, hein. Ouais, on bouge, on va au pick-up direct. T'as J'espère qu'ils vont pas déjà. Sérieux. Va chercher les cartouches, non? Sur un malentendu? Oui. Sur un malentendu, peut-être qu'on peut ramasser. Non, on peut pas. Ah, attends, peut-être. Attends. Eh, frère! Je suis un pirate, je passe mon temps à dans... Difficile extrême, ok. Attends, y'a une QTE. Mec, la chance, tu joues vraiment? Oui. C'est dur ou pas en vrai? Là, ça va. Parce que nous, on voit pas ton QTE. Hein. En fait, tu peux choisir la difficulté. Tu crois qu'il y a quelque chose à gagner? Je sais pas, j'ai un compteur. Hey, c'est pas la musique du jeu là? Oh, yeah. Ah, t'as tout gâché. Fuck. C'est si dur que ça? Vas-y, 52 ton corps, je vais essayer. Attends, vas-y, je lâche. Vas-y. Ok, t'as mis en difficile hein? Ouais, j'ai mis en difficile. Okay. J'ai pas essayé extrême. Hein, c'est les touches de la manette. Ah ouais, d'accord, oui. Ok, vas-y, difficile. Ok, je vois. D'accord. Damn it. Oh, come on. Nice. Ok, d'accord, non, faut juste comprendre, faut juste comprendre. Oh, je crois que c'est la musique du jeu en plus. Ouais, je crois. Hein. Oh, y'a un piano! C'est grave chaud! Non! J'ai fait 54, je t'ai battu, gros! Je suis un monstre! Là aussi, y'a un niveau ou pas? Oui. Et c'est exactement le même système. Ouais. Mec, c'est trop stylé en vrai. Bien joué à deux. Wow, beautiful. Damn it. Aïe, 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 60 pour toi. Vas-y, viens, on bouge. Le piano, tu me bats pas, par contre. Non, bah attends. Voilà, tu me forces à faire demi-tour. Allez, vas-y. 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 Difficile. Que le début, hein. T'es un mytho, t'as pas été en difficile. Ah si, j'ai fait difficile. Tu vas voir. Vas-y, t'inquiète. Nice. Oh la machine. Et c'est la même mélodie en plus. Nice. Ah t'as vu ça comptabilise ton ancien record. Ah voilà. Mais gros, j'ai fait exprès gros. Je voulais pas traverser devant la vidéo. Je voulais juste que tu sois tranquille. Il est où le pick-up? Allez, GG, ça en est parti. J'ai été monstrueux par contre dès le début. Vas-y, bah le pick-up il doit être sur ton. Attends. Il doit être là, non? Non. Ah, peut-être ici, là, il y a des traces de roues. Là où il y a les cochons? Vas-y. Non, l'autre ouais, côté, l'autre là, côté. C'est là, t'as raison. Ouais. Je vais devant la maison alors. Come over here and help me out. Ouais, c'est ça? Là, tu descends à droite. Là, tu vas devant la maison, sur la droite de la maison, il y a là, une autre grange. Là, je descends là? Ouais, suis okay, les traces de route. Je suis sûr qu'il y avait un truc à faire avec les cochons. Genre les prendre, les jeter et tout. Ouais mais mec c'est super loin là, attends c'est quoi cette connerie? Ouais parce que t'es sorti derrière la maison. Oh putain devant cette sphère à cheval j'arrive. Mec. Non mais est-ce qu'on s'amuse pas? C'est génial. Vas-y deux essais. Trois essais. Mais je comprends pas. Ah d'accord putain ok. Ouais je vois pas ce que tu fais mais bon. Ouais. Allez, encore 3. Quoi? Non, mais il m'a pris. Non, mais là, gros. Oh la victime. D'accord, j'ai compris. Tiens, vas-y, viens au lieu de faire ton malin, frère. T'as fait 8 là. Vas-y, un seul essai. Hein. Eh non, t'as... Non, bah non, t'as les 5 faire. En fait, ça dépend si tu touches le haut ou pas. Oh la victime. Allez. Shit. Vas-y, je t'explique même pas parce que moi j'ai compris. Oh là là, un point bien joué, t'as été le meilleur. Ouais, il a chié. Quoi? Allez hop. Quoi? Allez hop, merde. Quoi? C'est mon dernier là. C'est le dernier, allez. Allez, ça dégage. Ok, en fait, en gros, faut faire en fonction du balancement du bras. Ouais, non mais c'est horrible. Mec, attends. Non mais c'est n'importe quoi, les mecs ils sont à la recherche de leurs chevaux et nous on s'amuse dans la grange. Oh putain le con.
Mec, j'ai cru, je me suis dit, ça y est, ça part déjà en couille, le jeu. Il y a des esprits et tout. Il y a un jerrycan, hein. Je parie qu'il y a encore de l'essence. Ok, vas-y, j'arrive pour la voiture. Ah, bien joué. On pré-shot, mec. Attends, j'ouvre la porte ici. Flemme de faire le tour. Oh. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Un tracteur. Okay. Prends le jerrycan. Ouais, t'inquiète pas. Non, on pré-shot parce que tu sais très bien qu'on aurait fait un voyage pour rien sinon. Ça aurait été terrible. C'est pas mal ces petits jeux, je suis sûr qu'on en a peut-être loupé un, peut-être aussi, tu vois. Ou peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur. Hey, Carl. Oui, il y en aura sûrement d'autres dans le futur. Are you fine, Carl? Over here. Yeah, Carl. Yeah, I'm. Non, parce que c'est un américain, il a jamais d'essence en fait. Il vide à chaque fois son réservoir. Oh my god, it's a piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Hey, it's even missing wheel. Nah, I'm sure there's a spare around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. All right, fine. On va tuner ta caisse. Ok. Ouais. Il manque. Salut, moi c'est Xibit. Je vais te mettre un paquet d'écrans à l'arrière de la voiture. J'ai cru comprendre que t'aimais le foot. On va te mettre un terrain de foot complet derrière la voiture. Dans la remorque, il y a moyen de mettre un baby foot. J'ai déjà la clé, mec. Ce qu'on appelle plus précisément. Non, en plus j'allais dire non. J'ai la clé. Hey, there's a tire on the other side of the bar. Il y a des pneus de l'autre côté du. Mec, il y a un truc là. Attends. Alright. Ah, mec, vas-y, va là-bas. Faut que tu me mettes un pneu de l'autre côté. Un pneu? Ouais, mets-moi un pneu de l'autre côté. C'est monté où? Va de l'autre côté, hein. Va pas là où je suis. Hein. Ok, t'es par là, donc moi faut que j'aille par là. Voilà. Mais comment je vais là? Ah, mais faut peut-être que tu viennes sur le crochet que je t'y dépose, non? Ah, yes! Putain, mais comment il fait le vieux? Genre, il se tape des délires et tout. Ouais, je suis Indiana, je suis Indiana Jones! Ok, il y a bien des pneus de l'autre côté. Vas-y, viens sur le crochet. Ok. Hop, ça dégage. Hein. Vas-y, mamie, tire! Tout ça pour un pneu. C'est vraiment une aventure américaine. Vas-y, mamie, tire! Tes pâtes sont horribles. Hein. Mec, elles sont al dente. C'est quoi une mamie qui tire? Une mamitraillette. On a fait les deux pires blagues quand même. Vas-y, fais tomber. Eh, le meilleur pneu, hein. Tu mets ouais, des jambes 19 pouces. Des jambes chromées comme ça. Eh, frère. Ouah, I feel good. Je te ramène ou pas? Je suis vraiment obligé de te ramener? Non, je pense que je saute là, dans le foin. Ouais, c'est bon, allez. Hop, je prends la clé. Je m'en occupe, tu me soulèves la caisse. Vas-y, mec. En deux coups de cric, c'est terminé. Je vais contracter mon pif là pour soulever ça. Attends. Vas-y. Attends, prends le pneu d'abord. Bah, il est où? Il est... Attends. Oh. Je m'en occupe. Je vais voir le devant. Oh, c'est un moteur de chevaux ça. J'apprécie. Oh putain, la batterie a l'air bordée. Il y a des problèmes partout. C'est incroyable, mec. On est là pour réparer. On va tuner ta caisse. Et n'empêche, on se fait pécho par le vieux. On lui fait croire qu'on est une entreprise appelée par sa vieille pour réparer le pneu pour une émission télé. Ouais, mais il y aura sans la caméra. Vieille, t'as vu comment elle cavale vite. Ok, j'arrive. Hein. Mec, il y aura une batterie à aller chercher. Right. Mais en fait, je crois que tu vas me servir à rien, no joke. We just need to find a lug wrench to fasten it. Va chercher la batterie. Vas-y, cherche la batterie. Elle doit forcément pas être loin, je pense. Je sers, hein. Sers. Putain, si un jour j'avais cru qu'on pouvait... Ah oui, d'accord, faut vraiment que je les fasse un par un. Voilà. Je suis en train de tuner la caisse d'un vieux papy qui nous a appelé. Ok, done. Ouais, ce vieux tas de boue mérite vraiment une nouvelle jeunesse. Maintenant, il faut un truc pour soulever le pick-up et enlever la cale. Ok, vas-y, soulève. Ah, it's stuck. Vas-y. Mets ton nez, voilà, pour faire contrepoids. C'est bon, c'est fait. The car has four wheels ok. Now. That's a good start. Attends, on va pousser. Ah oui, bah oui. Bah oui, pour réanimer la batterie. Je suis pas sûr que ça marche, mais... Mais si. Attends, le jerrycan, la séance, non, d'abord. Le oui, jerrycan, il est devant. Bah, c'est totalement con. Pourquoi ils ont laissé le jerrycan devant? Parce que quand t'as ouvert la porte, t'as laissé le jerrycan. Mets-le... Ouais, mais parce attends, que... attends, sur ce genre de véhicule, ça se met là, hein. C'est là, elle est cool. Là, la trappe, hein, mais je pense pas que tu puisses ici. Si. Yes, si, tu peux bien jouer.
Et ouais, mec. Attends, est-ce que si on n'avait pas ramené le jerrycan, parce que là ils nous l'ont jamais dit, bah, peut-être qu'on ferait moins de route, tu vois? Ouais, c'est vrai. Non, mais ou peut-être que on aurait poussé, on aurait dit bah démarre pas, oh y a pas d'essence, tu vois? Ouais, je sais pas. Parce qu'on aurait la poussé la voiture jusqu'à la grange, j'arrive à la grange, j'aurais dit oh y a plus d'essence, tu vois? Ça se trouve. Bah peut-être que là il va nous falloir. Non mais attends. Va pas falloir. Ok, là ça va descendre. Putain, il savait pas monter dans la caisse comme un bobsleigh, quoi. Des, vraiment des, pas des professionnels. Ouais, j'avoue, on aurait pu monter easy en plus. Hein. Et on l'aurait démarré vu que la batterie est morte. Heureusement, elle a pas continué sa route, sinon le bruit que ça aurait fait. Hop, et je te laisse rentrer. Vas-y, merci. Je passe totalement à travers la porte. Ouais, voilà, bon, c'était sûr. Oh. C'était ah, évident. Et peut-être qu'avec le, la machine qui est devant, on non, peut. Non, là, le... là, regarde, mec. GG, les câbles. Bah voilà, putain, en plus, ça s'est mis bien au bon endroit. Faut juste ouvrir le capot, tu sais le mec qui te dit au cas où tu serais trop con. Ouais, je te jure. Vas-y, j'ai ouvert le capot. Merci Léo. Vas-y. Ah non, le capot, Léo, bon, c'est le point faible. Tu peux lancer le courant, Léo. Vas-y, attends, je démarre la caisse. Wow. Mec, on est débrouillé. Oh, shit. Et là, on va se prendre une balle venue de l'espace. It actually worked. Yeah, I told you so. Sometimes, you just gotta have a little faith. Faith, huh? Well, I was doubting. Next time, just trust me, okay? Yeah, right. Yes? No, I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay, hurry up, please. Absolutely. Thank you. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Va falloir esquiver les balles, hein. Quasi sûr. Oh shit! Take cover! Oh, you're gonna pay for this! Come on, let's go! Yeah. You got it! Come on! Come on! Yeah! Come on! Go, 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 go! America! Il nous voit même pas, hein. Il a dit si normalement. Hein. Ouais, non, mais il tire comme ça. Il tire juste pour tirer, tu sais. Il nous aurait jamais touché. Hein. Voilà, tu conduis. Hein. J'espère que tu as passé ton permis B sur Gran Turismo. Oui, t'inquiète pas. J'avais l'occasion d'avoir une belle dent. We got cops coming, step on it! Non, on va pas pouvoir tirer là. Je pense qu'on va pouvoir tirer, non? Peut-être. Get this piece of shit going any faster! Just sit down, Leo! You're gonna fall off! Le waffle! Here we go! Mec, ça va te conduire quoi? Oh là là, conduis hein! Hold on back there! Hit! Un petit drift, bro! Please stop! America! Fuck yeah! Oh, trop bien, ils sont sur leur pneu! Oh là! Arrête, fais quelque chose! Fufu! J'ai pas les tuer! Fufu! Oh là là! Sors de mon char! Enculé! Ouais, bah. C'est vrai que niveau maniabilité. Waouh! C'est rien! C'est toi qui claque ça! Ouais. On va en course parce qu'on est en Amérique! Et on va toujours en course avec une carabine! Attends. Voilà mon gars! Quoi? 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 Pourquoi la buisson? Waouh! Franchement, j'ai dit, mais pourquoi il y a un truc qui klaxonne? Désolé, gros, mais je vois la vie en plus qui rétrécit. Je dis, c'est bizarre. À droite! C'est bon, je maîtrise, mec. Quoi? Enfoiré de Pyongyang! Fais gaffe, hein. C'est ça. J'ai pas à faire. Oh là là, j'ai mis un coup critique. Ah, quoi? Tu nous as kéblo? Oh, heureusement, les flics sont cons. Wouah! Mec, je maîtrise totalement. Droite ou gauche, droite ou gauche? Je tombe. Oh putain, je suis à la droite. Choisis. Mais mec, j'étais en train de. Adieu. J'ai paniqué. J'ai fui. Mec, j'étais en train de tomber, regarde. Regarde mon personnage. Victime. Oh, j'avoue. Droite ou gauche? Gauche. Ouais, droite, ça n'est pas ou pas. Non, droite, mais en fait. Droite, on est mieux en expérience. J'aurais dû faire droite-gauche et pas droite-droite, tu vois. Ça va, je suis pas là pour me faire critiquer. Vas-y, bombarde, gros, hein. Ta cartouche illimitée, hein. C'est un nouveau cheat code. Enfoiré d'enculé, est-ce que tu peux recharger moi-même, ah non. Putain de poulet! Retournez au caster! Je l'interdis, très bien. Je
Je vais même pas effacer ton passage, sinon il y a plus de son du jeu, mais qu'il est gros. Il est lourd. Je klaxonne, ça sert strictement à rien, c'est juste pour le pour les vitesses. Ça booste la vitesse de 5% apparemment. Vas-y. Je fais une musique, t'es prêt? Paris. Non, c'est pas ça. Oui, c'était c'était tin tin tin. Paris. Bon, le classique quoi. Je vais à gauche hein, j'ai décidé de suivre ma voie. Telle est la vie que j'ai choisie. Mec, les flics qui lâchent pas le morceau. Attention, un petit jump. Oh. Attention, un petit jump. Quoi? Oh là, celui-là était. Putain, c'est pas facile de viser quand ça bouge comme ça. Ah! Mec, non mais c'est la voiture qui accélère le plus vite au monde en vrai. 0 à 100 en 2 secondes. Mec, les flics ils rigolent zéro, mais fais quelque chose! Mais mec, ils en passent à la fine. Le pire ralenti ever. On fait des effets spéciaux. Avec une de chevaux, tu vas voir, ça ne va pas très vite. Hop, on brise ça. Parce que briser la lune, ça me fait pas peur. Cette montagne est très longue. Là, c'est la chaîne de montagne, là, con. Wouah. Je suis Walker Texas Ranger. Ah, y'a DR. Ah. Bon, bah, retourne en 11, gros. Hein. Bien joué, hein. On s'est bien échappé. C'était très sympa. Eh, hey, j'ai dû me casser 6 côtes à peu près. Allez, l'échappée belle, mon pote. Vas-y, hein. Direct dans l'eau. Prends un petit poisson si tu peux. Vu que t'as la maîtrise. Ils savent pas tirer, hein. Ils savent vraiment pas tirer, ces Américains. On va. T'as une pagaie. On va pagayer, gros. Attends, ils ont pas dit tirer dessus. Allez, pousse. C'est quoi ce... Allez, vas-y, je monte. Allez, bobsleigh. Je pense qu'on va être tiré. Non, j'allais dire, je pense qu'on va devoir se synchro, mais même. Where the hell does this river take us? I have no idea, but the further away, the better. Yeah, I guess you're right. All right. Eh bien, on va s'arrêter là, mon ami. On va s'arrêter là, mes stars, et tu peux quitter. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, mon fufu. C'était bien, c'était bien sympa. Et on se retrouve très très vite pour la suite de notre aventure à Way Out. On était à la ferme, on s'échappait. C'était très sympa. À très vite, tout le monde. Bisous. À plus. Ciao.